aliyo mishi limaga tushufuji na le refugee ana refugee ana Cameroon ni Joffi Chadda. Wallahi للاسف للاسف ناس مره واي جايوش جو اتاش مسيرس ما عندهم ولا سنجي ولا باجو ولا ماتلا ولا بريش دونك انا جوست غنورو بس تعالوا انتوا كل شوفوا بانكو pour que ça ou dum les nazar parce que هما محتاجين مره واي محتاجين مره واي دونك تعالوا لومو مانا ونسا ودوم وسي انكا Je suis venu à la maison. مش البريش الله يوليكم السلام وعن الله رفع له رزق يجب ان شاء الله العيلات كلها ما فيك ما يلقى وشنو انت دابا جيت راه انت دابا جيت سامي ولا فقدتو نار وانت وانا كل كواسة مرقتو ولا راسك يا تو فقدتو مرقتو من تركيز ولا نعم Tout passe et la vie continue. C'est nous qui sommes là. Nous sommes là. Nous sommes à Farsha, nous sommes venus pour secourir les réfugiés venant de Kousseri. Ils sont vraiment dans les besoins. C'est pourquoi on fait appel à tout le monde de venir, ne serait-ce que donner un petit quelque chose de contribuable. Ça peut vraiment les aider. Ils sont vraiment dans les besoins de nattes, de quoi se couvrir, ils ont besoin de quoi manger, ils ont fait parcourir des jours, plus de 2-3 jours en train de courir, de marcher. Et jusqu'à là, ils sont là actuellement avec nous ici en Yamena. Donc nous sommes à Farsha, à côté du laboratoire, à la forêt. Donc si vous avez quelque chose, essayez de venir donner, contribuer. Ça peut vraiment être utile, même 1000 francs, même 100 francs, même 1000. Essayez de vous associer et de venir donner quelque chose. Ça peut vraiment, c'est nos frères, c'est nos soeurs, c'est nos mamans également.
من الناس الجميع الخيرية المساعدة تلمادين في مهلنا كان الرفجي الجايين من حسيري هم اليوم تقريبا أبلفت من 600 نادو 600 ما نعرف الحساب جايين آخرين جايين في الدرب ونبغى نقول نسوي أبل لكل الجايين الجايين برا الجايين داخل الجايين في نمنا يقدر يجوا اليوم سيكورنا النزة يقدر يجي يجيب لهم حاجة واحد بسيط كمثل عليهم برج واحد برج اثنين يقدر يجيب لهم سكر يجي يجيب لهم سوار الرز يقدر يجيب لهم أي شيء بطل بارد جرين في البرد والناس ده ما عندهم شيء هسه عليهم لم تقدروا ممكن تساعدهم ولم نعلم المساعدة ده تقدر أي شيء تقول ده نعلم تساعد الحمد لله par la grâce de Dieu après avoir vu sur les réseaux sociaux tout ce qui s'est passé à Kosiri étant des êtres humains, sérieusement, on était vraiment touchés. Et après une longue réflexion avec les membres, nous avons dit pourquoi pas descendre à Farsha pour remettre tout simplement un geste à l'endroit de nos frères et sœurs camerounais qui ont quitté Kosiri pour venir à Ndemena. Et ceci étant, alhamdoulilah, nous sommes ici avec surtout les réfugiés. Et nous avons pu quand même s'approcher auprès d'eux pour prendre en fait leur doléance. Et par là, nous interpellons, ou bien nous appelons aussi toutes les ONG nationales et internationales, toutes les personnes de bonne volonté, de venir vraiment secourir ces réfugiés-là. Leur vie est en danger. Pourquoi j'ai dit ça? Étant un être humain, quand tu n'arrives même pas à trouver un endroit qui te permet de se reposer, quelque chose pour mettre dans la bouche, ni manger, ni l'eau à boire, je crois que c'est déplorable. Vivement, nous appelons les personnes de bonne volonté de venir faire des gestes à l'endroit de ces gens. Et nous n'allons pas aussi seulement s'arrêter à cette visite. Je crois qu'on va aussi refaire quand même une autre visite dans les jours à venir. Nous appelons aussi les personnes de bonne volonté de nous appeler pour nous donner en fait leur contribution sur ces jeudi, aidez-nous à les aider. Merci. Je fais appel à tout le monde de nous contacter, de nous joindre sur le numéro qui s'écrit en bas. Et afin, si vous avez quelque chose, si vous avez quoi que ce soit, vous avez des dates, vous pouvez nous remettre. Et puis, on peut venir, même si c'est une personne, même si c'est deux personnes. Donc, nous sommes là, on a un siège aussi, si vous pouvez passer, ça sera en bas de